Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Vulcano, donc une marque notamment spécialisée dans les enceintes. Et vous pouvez les voir en gris juste derrière moi. Ils avaient déjà leur gamme avec les A4 et A5 Arc. Et aujourd'hui, on a les nouveaux A6 Arc. Donc là, ils sont sur mon bureau. C'est pas fait pour ça, mais on va le voir après. Et donc, ce qui fait que la particularité de ces enceintes... Alors, on a un côté bois déjà, premièrement, pour ceux qui aiment bien le côté bois. Mais aussi, donc, la fonctionnalité HDMI Arc pour ceux qui sont avec leur TV et qui veulent la commander facilement. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante. Au-delà de ça, vous avez une connectivité qui est complète, et ça, on va le voir dans le test, et le tout pour environ 250 €. Pour ceux qui sont intéressés, qui connaissent Vulcano, donc déjà, vous verrez, mais uniquement face à ce que j'ai déjà, les meilleures enceintes sont celles qui sont juste au-dessus, les Edifier MR4, qui sont déjà des très bonnes enceintes. Ça me permet de comparer entre des enceintes de 4 pouces et des enceintes de 6,5 pouces, ou 0,25 très précisément, ce que ça vaut et quelles les comparaisons que ça peut donner. En sachant que les MR4 sont à 100 €, donc forcément ce sera pas très équilibré. Aussi, pour ceux qui connaissent Vulcano et qui recherchent une petite enceinte plus pour le côté salon, le côté un peu compact, eh bien, il y aura aussi le test un peu plus tard, ce sera d'ailleurs le dernier test de l'année, des Vulcano T50 Arc aussi. Donc intéressant, et notamment ce qui va être intéressant, ça va être de voir la partie stéréo. Mais ce qui fait que c'est intéressant, donc ces enceintes sont vraiment toutes nouvelles, il y a encore très peu de tests qui sont sortis, et bah moi je vais faire avec les moyens du bord, mais sinon je vous invite bien évidemment à regarder les tests de ce que peuvent proposer les autres personnes, et surtout avec beaucoup plus d'expérience que moi. Au niveau du design, ces petites enceintes de chez Vulcano sont vraiment, je trouve, réussies. On a quelque chose de sobre par défaut, et surtout on va avoir bien évidemment deux coloris. Un noir, le côté un petit peu plus discret, et le côté boisé. Donc vraiment, le côté bois, hein, c'est vraiment du bois derrière, c'est pas du plastique, avec donc cet avant grisâtre. Cela renferme bien évidemment deux haut-parleurs, qu'on peut voir, un grand haut-parleur de 6,25 pouces avec son tweeter. Alors personnellement, je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis avec ce côté sobre. Les haut-parleurs sont pas designés pour être vraiment appréciés à leur juste valeur. Je trouve, alors après c'est peut-être moi, mais je trouve que c'est pas très esthétique. Mais c'est vraiment très personnel là-dessus. Après, bon, il y a un côté qui est vraiment propre en termes de finition. Sur les côtés, nous n'avons rien du tout et on a juste au dos donc toute la connectivité, sachant que vous avez une enceinte active d'un côté et l'autre qui est passive et qui reçoit juste l'alimentation de la active. On est donc sur une alimentation assez basique, on peut aussi l'alimenter d'ailleurs en USB, mais on a une connectivité qui est complète et qui va permettre d'en profiter pleinement. On va en parler juste après dans la partie multimédia, enfin la partie fonctionnalité précisément. Au-delà de ça, elles sont imposantes, c'est surtout elles ont un coffre arrière qui est très imposant. Alors je verrai peut-être plus tard pour tester du triangle en comparaison, et les BR02 normalement, qui sont plus chers, mais ça permettra d'avoir un bel élément de comparaison. Mais ce qui fait que je trouve qu'elles sont vraiment réussies. On a des pieds en métal, on a ce côté sobre et détachable qui est facile pour les plaques avant, et assez sécurisé dans le sens où on les pète pas, hein, ces espèces de boules donc qui permettent de bien tenir dans les enceintes. Tout est détachable. Et on a un câble, alors à la différence de ce qu'on peut avoir plus en entrée de gamme, un câble assez épais pour faire la liaison. C'est pas du XLR, mais ça ressemble un petit peu en termes de connexion, et ce qui fait que bah c'est tout à fait réussi, c'est propre, j'ai pas grand chose à en dire. Juste pour terminer, que bon, clairement c'est pas fait pour un bureau parce que ça prend beaucoup de place, mais aussi pour une autre raison, donc assurez-vous d'avoir la place pour ça. D'ailleurs, elles sont vraiment pensées pour être debout à la base, hein, puisque les pieds sont déjà mis dessus et sont en dessous directement, donc c'est pas fait pour être couché. Après, on a toujours cette possibilité, mais faites attention, ne pas le rayer. Voilà un petit peu pour cet ensemble, et on va voir maintenant la partie fonctionnalité. Au niveau des fonctionnalités, ces enceintes sont vraiment complètes. Aujourd'hui, c'est assez récurrent, mais c'est toujours agréable, surtout qu'à 100 €, c'est pas forcément le cas. Et on a quelque chose de vraiment sympathique. Tout d'abord, chose que je n'ai pas abordée lors de la première partie, la télécommande qui est fournie. On a une télécommande complète qui est fournie, sans piles malheureusement, donc on va bien les acheter à part, c'est des piles triple A, et donc qui va permettre de gérer l'allumage des enceintes, le fait d'être en muet, le volume bien évidemment, le play pause si vous êtes par exemple en Bluetooth, mais aussi le fait quelle sortie cela va être, si c'est en arc, en optique, en Bluetooth, en sortie coaxiale ou en USB, enfin coaxiale line, c'est plus du coup RCA.
On va aussi avoir trois égalisations qui sont disponibles, movie, musique et dialogue. Et on a le VB on et VB off qui va permettre d'avoir une basse qui va être plus ou moins présente. C'est d'ailleurs un des arguments de ces enceintes. Première chose à dire, hein, il faudra vraiment utiliser la télécommande pour avoir surtout certaines fonctionnalités, notamment le VB, donc Vibration Bass, j'imagine, qui n'est disponible que sur la télécommande. Le problème étant que sur ces enceintes, pour avoir un côté sobre, là où par exemple Edifier aime bien mettre les petites commandes sur les côtés, comme ça on peut avoir accès à une partie des fonctionnalités, ici c'est carrément au dos, pas extrêmement pratique à utiliser. Il faudra vraiment être très dépendant de la télécommande, ça c'est vraiment une chose qui est importante. Et pareil que pour les Edifier avec leur fonctionnalité pour avoir largeur de scène, ici la fonctionnalité pour avoir la vibration un petit peu plus ample, eh bien ce ne sera que via la télécommande. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, et vous l'avez entendu juste avant, on a une connectivité qui est complète. On a du Bluetooth en 5.0, alors Bluetooth avec, c'est pas du aptX, hein, ça reste basique sur du SBC, mais ça fonctionne très bien de ce point de vue-là. À confirmer avec un petit peu plus de tests, notamment sur la ARC où je dois faire d'autres choses, mais ça fonctionne en tout cas très bien sur celle-ci. Je confonds un petit peu mes tests, je suis en fin d'année, hein, et ça se ressent aussi sur la fatigue. Néanmoins, le Bluetooth est très propre, il n'y a pas de grand chose à dire. On a de l'optique, moi je l'ai mis par exemple en RCA de mon côté, et ça fonctionne très bien, ça s'alimente assez facilement, l'avantage d'avoir des enceintes actives. L'autre petit avantage, et j'y pense là, on a une petite LED pour dire qu'elle est allumée ou qu'on change de fonctionnalité, elle ne reste pas présente très longtemps. Là où pour d'autres enceintes, ce sera constamment allumé, ici, la discrétion est vraiment de mise avec le côté LED qui va dire en quelle fonctionnalité on est, le changement de volume, etc. et qui va s'éteindre à un petit moment donné, ce que je trouve plutôt cool et discret. Donc, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est surtout complet, et pour ceux notamment, et c'est là-dessus que vraiment ces enceintes vont jouer, pour ce côté cinéma, télévision, bah c'est vraiment pas mal du tout d'avoir ce côté HDMI ARC, qui n'est pas forcément présent partout. Au niveau de la partie musique du coup et du son, on a donc un double driver tout à fait classique, un driver de 6.5 pouces et un driver de 1 pouce qui va donc compléter pour les aigus. Ici, on est sur des enceintes, comme je l'ai dit juste avant et je préfère le dire tout de suite, qui ne sont pas faites pour le bureau pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont pas été pensées pour, et ce qui fait qu'on va avoir un bruit blanc qui va ressortir, sûrement dû à l'amplification qui reste assez entrée de gamme, et du coup qui va faire passer un bruit blanc constamment, et qui va pas mal se ressentir. Malgré ses bonnes performances sonores, quand on est autour, on l'entend constamment, c'est pas terrible, donc c'est vraiment beaucoup plus fait pour du salon, pour la télévision, ou d'avoir quelque chose d'un petit peu lointain, mais pas du tout pour du champ proche. Ça c'est une première chose, et je tiens à le dire. J'en ai quand même bien profité là-dessus, mais ça ne fait pas tout. Deuxième chose, on est sur une signature qui est très douce. Il y a pas mal d'enceintes qui peuvent mettre beaucoup en avant les aigus, et si justement vous êtes réfractaire aux aigus et que vous préférez un son qui est beaucoup plus doux, qui est plus orienté sur le côté chaleureux, voire un peu basse, vous allez apprécier ça. Sachant que ces enceintes commencent les basses aux alentours de 30 Hz, alors vous allez voir à peu près avec ma tête de mesure, mais ce sera pas forcément très précis, la signature. On est vraiment sur quelque chose de chaleureux, avec une basse qui va quand même avoir son pic aux alentours de 100 Hz, mais qui commence déjà à être bien présente avant et qui se ressent réellement. Donc ça, c'est une excellente chose, ce qui fait qu'il n'y a pas spécifiquement besoin de coupler à un caisson de basse, et vous pouvez via la fonctionnalité VB on l'augmenter pour avoir un côté un peu plus vibrant avec une sous-basse qui va un petit peu plus être présente et qui est agréable pour de la musique ou pour avoir un côté un peu plus orienté cinéma. Au niveau de la musique, on va voir donc cette possibilité, alors déjà de régler les basses et les aigus, hein, donc ça c'est logique, mais ce qui fait que au niveau de la signature, elle est quand même assez relativement basseuse, avec des aigus assez doux dans l'ensemble, pas de pic particulier, ce qui est très agréable pour l'oreille et très doux, et ça va permettre de l'utiliser sur des styles qui justement demandent une certaine douceur, notamment du métal où ça passe extrêmement bien, de l'électro où ça répond très bien avec une basse qui est profonde, et ce qui fait que c'est très agréable. On a un côté chaleureux, mais pas extrêmement percutant par contre, donc tout dépend ce que vous cherchez. On a quand même pas mal de détails, je trouve, encore une fois, avec mon expérience, et je sais pas ce que ça vaut face à une concurrence similaire, mais je trouve que c'est quand même pas mal, on a quelque chose d'assez détaillé, une scène qui est plutôt large, et qui est quand même
agréable dans l'ensemble pour beaucoup de styles. On pourra relever les aigus pour pouvoir en profiter un peu plus sur du côté classique ou d'avoir une meilleure clarté au besoin ou adoucir les basses au besoin pour avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus neutre. Néanmoins, c'est clairement pas neutre dès le départ, mais c'est ce qui fait, je trouve, sa force, en tout cas, par rapport à d'autres enceintes. Sa douceur mêlée avec pas mal de détails permet vraiment d'en profiter, et on a vraiment cette belle chaleur qui nous permet d'en profiter pleinement. On va parler maintenant des égalisations. L'égalisation, elle est la meilleure en mode musique. Je trouve que c'est celle qui est la plus agréable, la plus douce et celle qui va être normalement la plus utilisée. Donc ça, c'est logique et c'est ce que je viens de vous décrire à l'instant. Mais nous avons aussi une égalisation cinéma. Alors, l'égalisation cinéma chez Vulcano, c'est très particulier. Disons que c'est un cinéma qui se passe dans un hall. Et c'est problématique parce que ça en fait beaucoup trop. C'est absolument pas maîtrisé de ce point de vue-là, et ça va avoir un effet, en fait, de reverb qui est beaucoup trop accentué, au point que les voix, on a vraiment, c'est quelqu'un qui parle dans un hall ou dans un grand couloir, ça résonne énormément, c'est absolument pas joli. Alors, effectivement, ça a un effet de grandeur en termes de scène, c'est une scène très large qui dépasse les enceintes, mais au détriment de la centralisation, au détriment d'une cohérence au niveau des voix, qui donne vraiment pas un effet naturel, et pour l'avoir essayé avec du Discord, donc là, du coup, vraiment, Apex Discord, hein, donc clairement, en termes de meilleurs événements pour en parler, les voix font absolument pas du tout naturel, ça a vraiment cet effet d'aquarium, en fait, comme on pourrait le dire ça, aquarium, hall, vraiment un côté beaucoup trop résonnant, qui fait absolument pas naturel, et en comparaison, les R1280 DBS de chez Diffeur maîtrisent un peu mieux ce sujet-là, même si c'est pas parfait, il y a un effet quand même qui est bien plus naturel. C'est un peu différent néanmoins là-dessus, et je vous invite à aller voir le test dédié sur eux. Donc ça, malheureusement, c'est une erreur. On a aussi le côté dialogue, donc ça va couper beaucoup plus les basses et un petit peu les aigus, donc vraiment très centré sur les aigus, et la clarté, donc pour ceux qui sont plus côté série, etc. Mais je trouve que le mode musique reste le mieux, le plus équilibré, on peut en profiter sur des films avec ce côté vibrant qu'on peut ajouter, avoir cet effet cinéma vibrant, au détriment des voisins, à vous de voir. Donc c'est vraiment pas mal, mais c'est pas fait pour être utilisé sur un bureau, et c'est pas fait pour être utilisé en mode movie, qui ne lui va pas du tout malheureusement, et c'est assez dommage. On va comparer très rapidement, juste après, avec les Edifier MR4 au-dessus, même si c'est absolument pas adapté, c'est pas du tout la même cible non plus. Au niveau de la comparaison via les Edifier et Merca, donc ça va être assez simple parce que ça reste des produits assez différents, mais on se rend compte rapidement de la différence qu'il y a entre un très bon driver 4 pouces et un très bon driver 6 pouces. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est deux bons drivers, c'est deux sons qui sont très intéressants, mais avec quelque chose d'assez différent en termes de présentation. Les MR4 qui sont quand même faits pour du mixage ont une signature un peu différente et aussi un peu plus percutante, et ça se ressent. L'avantage déjà de cette enceinte-là, c'est qu'elle va déjà taper assez fort dans les 60 Hz, ce qui était déjà un exploit, parce que beaucoup d'enceintes en dessous de 100 Hz ont difficulté à avoir une belle, bonne basse cohérente, et surtout profonde. Ici, elle est déjà profonde, donc c'est une excellente comparaison. Et clairement, on va ressentir que entre le driver 4 pouces et 6 pouces, au-delà de la signature, n'a absolument pas la même qualité technique. Les basses sont très très bonnes du côté des Edifier, elles sont plus percutantes et elles ont tendance à avoir un côté un peu plus vibrant, mais on perd vraiment très vite, en fait, dans le plus haut de la basse et surtout les médiums, le côté très détaillé, le côté un petit peu plus lissé de l'ensemble, et ce qui fait qu'on a beaucoup moins de détails, je trouve. Les voix sont beaucoup moins naturelles, elles ont moins de corps, et bah clairement au niveau des aigus, ça fait un côté un peu plus criard, vraiment beaucoup plus limité techniquement, on sent que même le driver des aigus est bien meilleur du côté des Vulcano, et ce qui fait que c'est un effet limité. C'est beaucoup moins naturel, on sent qu'il arrive à retranscrire beaucoup moins l'ampleur de chaque instrument et de chaque voix, et ce qui fait que c'est moins joli et moins agréable. Les Vulcano ont vraiment ce côté beaucoup plus, alors déjà imposant en termes de taille, mais aussi beaucoup plus détaillé, beaucoup plus ample pour chaque partie des instruments, et notamment ça se ressent vachement sur le médium, où on sent qu'on entend beaucoup plus de choses, avec beaucoup plus de corps et d'ampleur dans l'ensemble pour se montrer, on va dire, et ce qui fait que clairement on n'est pas dans la même ligue. On sent que forcément entre 100€ et 250€, on a un très gros gap, notamment dans cette partie là et même au niveau des aigus qui sont
certes beaucoup plus doux du côté des Vulcano, mais quand même plus détaillé et mieux étendu. Donc c'est vraiment une grande différence, et c'est là où on voit que Vulcano maîtrise bien son sujet, en tout cas, semble-t-il, avec quelque chose de très agréable. On a un côté un petit peu plus clair aussi du côté des Defier par défaut, un petit peu plus punchy, percutant dans l'ensemble, mais beaucoup moins détaillé, beaucoup moins dynamique dans l'ensemble, et surtout au niveau des médiums où ça se ressent que techniquement, il ne suit pas. Du coup, que penser de ces Vulcano A6 Arc ? Eh bien, c'est vraiment très réussi. Il y a quelques défauts forcément, du fait que les fonctionnalités soient pas facilement accessibles sur le côté, mais ce soit au dos et de façon assez limitée. C'est une première chose, mais c'est assez logique, puisque c'est surtout fait pour être utilisé avec la télécommande, mais aussi le fait qu'on ait un bruit blanc constant quand ils sont allumés. Et ça, c'est un plus gros défaut pour le côté champ proche. Encore une fois, c'est pas fait pour, moi je l'ai utilisé comme ça parce que c'était le plus pratique pour mes tests, mais forcément, c'est pas du tout pareil. Au niveau du son, j'ai été vraiment surpris. On a un côté, et c'est quelque chose que j'apprécie, je l'ai pas forcément mentionné parce que c'est un peu loin, Triangle, j'aime bien la douceur de leur signature. Vulcano semble être un petit peu dans cette idée-là, peut-être un petit peu plus chaleureux encore, avec un peu plus de basse, un peu moins d'aigu, mais ce côté très doux va lui permettre d'être sur des styles vraiment très fun, être très agréable à écouter, et avoir un côté aussi très doux et très peu agressif pour ceux qui sont sensibles aux aigus. Ça peut être, dans les deux cas, un très bon choix. Malheureusement, les égalisations ne lui permettent pas d'être aussi polyvalent que d'autres enceintes, et on perd vraiment, et c'est le côté malheureux, sur l'égalisation cinéma qui détruisent les voix, malgré l'amélioration de la scène. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que vraiment, on n'apprécie absolument pas ce retour-là, en sachant qu'en plus de ça, sur ma news que j'avais fait sur l'annonce de ces nouvelles enceintes, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit exactement la même chose. Et du coup, pareil, quand j'ai testé, forcément, je me suis retrouvé avec le même problème, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est pas du tout récupérable, on a vraiment une résonance qui ne lui convient pas du tout. Néanmoins, je trouve que c'est des très très bonnes enceintes, très musicales, donc vraiment, pour ceux qui aiment bien la musique, et surtout une musique qui demande un petit peu de basse, et qui demande un peu de douceur dans les aigus, ce qui est pas forcément le cas de beaucoup d'enceintes, je pense, eh bien, vous allez clairement bien en profiter. Je trouve vraiment que sur du métal ou de l'électro, ça ressort super bien, sachant que c'est surtout les deux gros styles que j'écoute. Mais sur le côté un petit peu plus doux, faudra baisser un peu les basses pour en profiter un petit peu plus, remonter un peu les aigus, et ça permet quand même de bien en profiter. Dans l'ensemble, même sur toutes mes playlists, j'ai pu en profiter en ajustant un peu les basses et les aigus au besoin, selon mes besoins. Donc en tout cas, je trouve que c'est réussi. Après, n'hésitez pas à aller voir d'autres tests pour voir en comparaison des concurrents qu'il y a aux alentours de 200 et 300 euros, savoir s'ils valent le coup, si elles sont aussi intéressantes techniquement, ou s'il y a mieux ailleurs, ce qui est tout à fait possible, et malheureusement ça, je ne pourrais pas vous le dire. Et on se reverra pour la semaine prochaine et le dernier test de l'année, avec les Vulcano T50 Arc, qui sont en gros 205 collés pour avoir une barre assez jolie d'ailleurs, hein, sobre mais très jolie, et qui est aussi intéressante, je trouve, pour commencer un peu à tester dessus. Donc si jamais vous cherchez quelque chose de pas trop cher à offrir, côté son et pour du salon, pour mettre dans un coin, ça pourra plaire, on en reparlera à ce moment-là. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochains tests. N'hésitez pas à donner votre avis ou de poser vos questions. Et n'hésitez pas à liker, partager, etc. comme d'habitude. Et on se retrouve sur le Discord dans tous les cas. Et à bientôt encore une fois. Ciao, j'ai besoin de me reposer.